Quelle est votre capacité à voir ce que personne ne voit? Quelle est votre capacité à finir quelque chose qui n'a pas commencé? Voilà comment les plus grands leaders qui vous entourent et les gens qui vous inspirent autour de vous s'y prennent bien souvent. Pour développer sa carrière, si vous êtes employé, finaliser ses études, bien choisir sa direction, ou développer ses affaires si vous êtes un entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est-à-dire d'avoir ce doux mélange entre le fait de gagner votre argent, votre vie, vivre de votre passion, numéro 2, puis numéro 3, d'avoir suffisamment de liberté pour vous enrichir auprès de votre famille, parce que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, en soi, ça sert à rien. Donc entrepreneur, on sait que vous, auto-entrepreneur notamment, vous voulez ces trois: augmenter vos revenus, vivre de votre passion et puis aussi bénéficier de votre liberté d'enrichissement familial. Être employé, avoir envie d'aller au travail le matin, et quand on est étudiant, on est angoissé de savoir si on va trouver le job de sa vie. Peu importe, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quelle est votre capacité à voir ce que personne ne voit? Certains vont y voir une feuille et d'autres vont se dire « mais waouh, ça va être l'emblème de ma prochaine gamme de vêtements ». Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que bien souvent, on n'a pas un problème de sexe, de culture, de religion, de diplôme, d'intelligence. C'est ce que vous laisse à penser des gens qui ont, c'est vrai, un esprit beaucoup plus cognitif que d'autres. Il y a des gens qui sont très forts pour emmagasiner, par exemple, un dictionnaire entier ou des références historiques. Et ce sont ces mêmes personnes qui paraissent très intelligentes aux yeux de la société, mais il n'en est rien. Regardez bien, bien souvent, elles auront la même difficulté, sinon pire, à payer leurs factures ou avoir une belle retraite. Ne vous fiez pas à cette apparence de classification d'intelligence et d'habilité dans la société. J'étais pas forcément un garçon très, très brillant à l'école, et aujourd'hui, force est de constater que ça se passe pas trop mal pour moi. Pensez-y une minute. C'est exactement de cela dont vous avez besoin. C'est de voir ce que personne ne voit. Je veux créer cet hôtel. Je l'imagine déjà tel un architecte qui, quand il va écrire ou dessiner sur un ordinateur ou sur une feuille de papier son projet, il l'a déjà dans la tête. Walt Disney a démarché des centaines de banques. Il a eu plus de 300 rendez-vous avec des banques avant de donner vie à son projet, mais il l'avait déjà dans la tête. Qu'est-ce que vous êtes capable d'avoir dans le cœur, dans la tête, comme idée pour vous dire « je sais, c'est exactement le métier que je veux faire ». Tout le monde me décourage, mais parce que ils n'ont pas ce que j'ai dans la tête. Et puis évidemment, vous devez comprendre que si vous développez cette habilité à voir ce que personne ne voit, un exemple, dans le département, le domaine des ventes, vous êtes vendeur, employé à la commission ou auto-entrepreneur ou entrepreneur, et vous dirigez une équipe de vente. Mais rien n'est possible sans cette visualisation dans le mental de se dire « je sais dans quelle direction je vais, je fais une course à la voile, je sais exactement comment ça va se passer ». Une descente en ski, un match de rugby, un match de boxe. Mais la vie est à cette image. J'ai cette capacité à voir ce que personne ne voit. La destination, je la visualise. Je ne maîtrise pas toutes les étapes. Je vais improviser. Hein, des fois, c'est un champ de bataille. Je vais trouver des solutions en temps et en heure. Mais je n'ai pas besoin de faire un business plan de 600 pages à la façon d'une école de commerce à 2,50 $ qui va vous prendre 100 000 pour justement développer une carrière épanouissante ou de développer votre entreprise. Mais la véritable habilité que vous devez développer, d'ailleurs qu'on devrait apprendre à l'école, c'est cette de développer suffisamment d'imagination, de créativité pour vous dire « je sais par quelle étape je veux passer pour commencer maintenant ». Tiens, il y a un petit pont ici, voilà. Eh bien, je suis capable de voir ce que personne ne voit. Ce petit pont, il n'existe pas, mais j'en verrai bien ici. Tout le monde me dit « ça ne marchera pas, c'est ridicule dans ce parc, un pont ». Mais voyons donc, arrête de rêver en couleur. Non, je vois un pont, je vois ce que personne ne voit. Et cette habilité qui peut paraître extrêmement futile ou simpliste dans une vidéo comme celle-ci va vous aider.